Bonjour Monsieur Stemmer. Merci de m'avoir reçu en fait dans votre bureau. Vous êtes transitaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité? Bon, alors, je suis transitaire, agréé en douane, import-export. Ok, très bien. À deux casquettes. La première des casquettes, commissionnaire en douane. Et la deuxième, commissionnaire de transit. Non, commissionnaire de transport. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être commissionnaire en douane? D'abord, oui. Être commissionnaire en douane, c'est d'avoir son agrément en douane. Et l'agrément en douane me permet de travailler, de faire les dédouanements en douane. Je travaille avec la douane.
de bout en bout. Donc par... En import comment. Et lorsqu'on a l'agrément en douane, ça me permet de dédouaner tout type de marchandises à l'import comme à l'export. En gros, je travaille avec les douaniers. Ok, très bien. Et être un commissionnaire de transport. Être commissionnaire de transport veut dire que vous avez aussi un agrément de transport pour exercer ce métier. Ah, ok. Bon. Et ça vous permet de travailler avec toutes les compagnies maritimes et aériennes en direct. Vous ne passez pas par un intermédiaire. Vous faites tout du bout en bout. Alors, monsieur Diafouka Missiel, vous êtes transitaire depuis quelle année? Bon, je suis transitaire. J'ai commencé dans ce métier en 1975 à l'ouverture de Roissy. Quand même. Et après, après avoir acquéri une certaine expérience, je me suis mis à mon propre compte depuis 1993. Très bien, monsieur Diafouka. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter à la diaspora, ce que vous appellerez que vous voulez apporter du nouveau dans l'espèce des colis? Ben, mon cher Estémer, du fait que je tourne dans ce métier depuis plusieurs années, bon, je me suis rendu compte que les problèmes de la diaspora, hein, comme tous les Africains, nous les connaissons nous-mêmes. Malheureusement, on n'apporte jamais de solutions. Donc vous voulez apporter... Et moi, je suis là pour apporter les solutions. Et voilà, donc, parmi ces solutions, vous allez nous détailler lesquelles? Bon, alors, donc là, je suis en train de mettre en place un trafic de groupage. Du fait que les gens n'ont plus d'argent. Envoyer les choses individuellement, ça coûte très cher. D'où, je me lance sur les groupages et je mets à la disposition des clients quatre modèles de carton. Alors, quatre modèles de carton qui seront dans les relais, dans les points relais. Oui, dans les points relais, bon, quatre modèles de carton dans la région parisienne. Quand ils ne sont pas véhiculés, ils peuvent appeler, on va leur apporter les cartons. Et ceux qui sont véhiculés, ils viennent les prendre. Alors, et le ramassage pourra aussi se faire, il y aura deux départs chaque semaine. Alors, sans que je vous coupe la parole, monsieur Diafouka, oui. Et ces départs seront dans les bateaux, dans les avions. Comment se feront ces départs? Bon, alors moi, les départs, je trouve mieux que, concernant les petits cartons, les départs se feront par voie aérienne et ce qui reviendra moins cher en temps comme en argent. Mon cher Estamer, bon, je pense que tu as eu l'occasion de prendre l'avion pour aller à Brazza. Bon, c'est dans les 48 heures. Oui, dans les 48 heures. Hein. Donc ça n'attendra plus non, 21 non, jours non, ou bien non, non. Il faut fréter le bateau ou bien non, non, non. Il faut qu'il y ait le bateau
pour pouvoir ramener ça sur, sur le territoire congolais. Voilà. Donc, chez vous, le carton, il est fait. S'il y a un départ aérien, oui. Le carton, il est parti. Ah, oui. Le lendemain, le client, eh oui, ça, il le récupère. Voilà. Ah bon? Ah, oui. Et en plus, moi, comme je suis reconnu officiellement chez Air France, mes prix, je les négocie. Moi, quand il s'agirait de du maritime, là, c'est des conteneurs. Parce qu'un conteneur, pour le remplir, il faut avoir vraiment beaucoup de la marchandise. Et les bateaux, c'est pas tout le temps. Dans le mois, il y a au moins un bateau. Hein. Dans le mois, il y a au moins un bateau. Et puis, bon, surtout pour les Brazzavillois, pour des petits lots, il vaut mieux le faire en aérien. C'est plus avantageux parce que le maritime, c'est fait vraiment beaucoup plus pour du lourd. Et quand vous déposez la marchandise à l'entrepôt, il faut attendre que le transiteur puisse avoir la capacité d'un conteneur pour les faire partir. Alors, donc, monsieur Michel Diafouka, vous allez nous montrer maintenant le détail de ces cartons. Vous nous avez parlé de quatre catégories de cartons. Nous allons passer maintenant à aller voir les cartons. Bon. Du maritime en fait, voilà. Ok. Parlez-nous un peu du maritime. Bon alors, concernant le maritime, c'est un peu plus long parce que, pour la plus simple raison que sur Pointe-Noire, on peut avoir un navire dans le mois. Un navire dans le mois. Et puis, le maritime est fait plutôt pour du lourd. Pour du lourd. Et pour que le transitaire puisse faire partir le conteneur, il lui faudrait évidemment qu'il puisse réunir la capacité d'un conteneur. Alors, quel sera le dernier mot, monsieur Diafouka Michel? Eh bien, le dernier mot, c'est que je demanderai vraiment à ceux qui sont intéressés par nos services de venir travailler avec nous. Et nous sommes là pour apporter des solutions, des problèmes que nous connaissons nous-mêmes. C'est tout ce qu'on peut demander. Hein. Merci, monsieur Michel Diafouka.